C'est au domicile familial que les gendarmes ont fait la macabre découverte. Dans la partie arrière de la maison, où donc il y avait des anciennes installations sanitaires dans la grange, et bien dans le puits a été retrouvé donc le corps de cette dame. En l'état, déjà, je ne sais pas encore quelles sont les causes de la mort, et encore moins sur quel scénario on peut partir. Les analyses médico-légales devront déterminer les causes de la mort. Une autopsie est prévue lundi prochain. L'affaire avait suscité beaucoup d'émotions fin janvier. Les autorités découvrent alors que trois enfants âgés de 4 à 11 ans ont dissimulé le décès de leur père mort d'une crise cardiaque, de peur de voir la fratrie séparée. L'homme vivait seul avec eux depuis que sa femme était supposée avoir quitté le domicile familial en juin dernier. Les enfants étaient restés auprès du corps pendant plus de 24 heures, allant à l'école normalement jusqu'à ce que l'un d'entre eux ne finisse par se confier à une enseignante.